De retour dans les Sims 2, salut à tous, c'est Alex le serveur, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien en tout cas, je suis très content de retrouver la petite famille Belfior. Ça y est, les études sont terminées, on pourra bientôt passer à l'extension suivante qui est Nuit de Folie. Mais pour l'instant, on a des trucs à faire, déjà, on va se changer Raphaël, c'est quoi cette tenue? Ou alors, on attend peut-être Nuit de Folie pour prendre des nouveaux vêtements. Ouais, on fera ça, on va le laisser déguisé en pirate du coup... Pour cet épisode, et puis la fois prochaine, on le changera du coup, comme ça, avec les nouveaux vêtements qu'on aura dans Nuit de Folie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit organiser une fête d'anniversaire pour faire grandir Angela. Il faudrait qu'on essaye aussi de faire grandir Paul, ou au moins lui faire quitter la fac, pour le faire réinstaller. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire grandir, Paul. Peut-être qu'on aille nous-mêmes lui faire décider d'arrêter la fac, mais bon, on verra ça. Ça pionce. On manque un petit peu d'argent pour déménager dans la grande maison que j'ai repérée. Mais c'est pas grave. Un proche se fiance. Ah, il veut que son fils se fiance. Et elle, elle veut quoi? Elle veut mincir, mais elle est pas grosse pourtant. Bah oui, elle veut encore... Bah dis donc. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il discute avec Jani. C'est les 22h. Ah oui, t'es pas fatigué. Regarde si t'as pas une offre sur le paranormal. Je sais pas si les offres dans le journal sont les mêmes que celles de l'ordinateur. Je sais qu'on a cherché dans l'ordinateur la fois dernière, juste avant de finir l'épisode. Mais là du coup... Non, et puis ta chambre aussi, bon. Bon, on va déménager de toute façon. La maison va être trop petite. Elle est déjà trop petite. J'avais cherché dans le... Pègre, voilà. Ce que j'avais cherché dans le journal. Force de l'ordre. Je vais me dire, il n'y a plus rien. Voilà, ok, très bien. Il veut faire wouhou in love tab. Donc il veut faire crac crac dans le jacuzzi. Ça n'a pas été traduit, tiens. Ça, c'est marrant. Organiser une fête d'anniversaire. Non, bon, attends. Okay. Oula. 23h, il voudra peut-être pas venir, cela dit. Ouais, non, on va éviter. On va éviter. Oh, t'as plein d'amis. Hache. Bah oui, non, tu viens à peine de t'y mettre. Pigeot. Faut que tu gagnes des sous. Tiens, abandonne ce tableau, fais-en un toi-même. Voilà. Pendant ce temps, papa, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dormir. En pyjama, allez, hop. C'est le dodo. Ah, papa et maman, ça faisait longtemps. Quand je pense qu'on a commencé le let's play avec eux. Ça va tellement vite. Ah, notre maman qui se réveille. Tout à fait. Après le petit pipi. Non, mais je t'ai pas dit d'arrêter de prendre ton... Ah, ils sont pas malins, ces Sims. Ok, donc toi tu peins et après... Oula. Tu nettoies tout ça. Et tu nous sers un petit déjeuner. Tu vas nous faire une omelette. Vas-y maintenant même, je dirais. Croirait dans une maison dans Resident Evil 4 quoi. Faudra que je le fasse en let's play aussi d'ailleurs un jour, Resident Evil 4. Resident Evil. Evil. J'aime bien comment ils se dandinent, mais on fait pareil hein. Moi je sais pas si vous avez remarqué quand vous frottez un truc, quand vous nettoyez un truc comme ça. Bah on se dandine, je sais pas pourquoi, enfin, moi j'ai les fesses qui remuent. Est-ce qu'il va se dandiner là en faisant la cuisine? Non, y a pas de raison là. Oui, ça sent bon, y a encore des mouches hein.
Bon, après, t'as fait à manger, personne n'a faim. C'est pas grave. Enfin, à part toi, quoi. Non. Juste, tu nettoies ça après. Oui, ben, vous êtes à la retraite en même temps. Entretiens tes plantes. Ça rapporte un petit peu de sous aussi. Non, ça fait un bouquet à la fin, c'est ça. Mais que je peux vendre. Oui, ça fait ça. Stoplaka, stoplaka. Ah, t'es plus dans le blanc. Se changer. Tiens, mets-toi sur ton 31. Ce que j'ai envie. Stoplaka. Stoplaka. Il va jouer à SSX. Tu t'ennuies, toi? Bah non, tu t'ennuies pas. T'as envie de faire pipi? Bah va donc faire pipi. C'est l'heure du pipi et puis du bain. Donc là, vous voyez, il a la petite étoile pour montrer. Oui, il a réussi. Toujours s'habiller en costume quand on veut jouer à SSX3. Hein. On va organiser une fête à cette heure-ci. Dommage. C'est long ce truc en fait, hein, quand même. Oh, micro. Pourquoi ça débat? Ça débat. Qu'est-ce que c'est là? Donc pas grand-chose en plus pour déménager. Attends. Hop. Attends. Peindre une scène, je crois que ça, ça permet de... Oui, voilà. Ça me fait délirer. Ah. Appuyer sur... Voilà. C'est bon? Qu'est-ce que what? C'est bon ou pas? J'ai appuyé sur C1. J'ai appuyé plusieurs fois. Je vais faire des captures du coup à la place. Oui, c'est le bouton capture également. Je sais pas si c'est pas un peu trop tôt. On va tenter quand même. Allez, Angela. Tu me réveilles, rappelez-moi le matin, je voudrais bien dormir, imbécile. Elle me vous voit maintenant. On joue un peu à SSX. Stoudé. Ils ont l'air fin avec leur tenue. Ok, il est 7h. Bon, elle a fait sa scène pendant ce temps. C'est bon, t'es mieux luné là ou pas? C'est toujours un plaisir de vous voir. Ça par contre c'est relou quoi, qu'ils te vous voient alors qu'ils te connaissent vachement bien. Enfin ça a pas de sens. Et où Polo? On va tester. Alors, divers fêtes, gâteau d'anniversaire. Ouais, ok. Faut nettoyer hein, cette baraque, c'est pas possible. Oui,
vraiment, faut vraiment les nettoyer, j'ai plus de place pour rien du tout. Mais même là, regarde. Et ça, c'est crade. Comment ça se fait que c'est crade comme ça? Non, c'est juste... Ah non, c'est juste du noirci. L'autre côté, on dirait que c'est vert. Oh. Yurk. Bref. Au cas où, je vais en prendre deux. Ah bah, elle est déjà là. Ils sont déjà là. Hop, une main secrète. Ah, ils ont l'air fins. Bon, mon petit Paul. Quoi? Je peux pas... Comment on fait pour fatiguer quelqu'un? Ah, je crois qu'on peut faire vieillir que si je vieillis en même temps. Attends. Shit. On va tenter un truc. Allez. Ouais. Je crois que j'ai... Ouais. Alors que je joue avec les... Ah mais c'est relou parce que du coup, ouais, lui, il grandit pas en même temps que... Comme il était à la fac. Et du coup, ça va, elle a pas le bon âge, ça va pas du tout. Ça va pas être Angela, du coup, ça va. Du coup, on va faire la fête avec les Marilyn Bertin et puis Janie et puis... Et du coup, Paul non plus, je peux pas... Ah, mais tout mon plan est tombé à l'eau. J'étais sûr... Ah, je peux mon smartphone. Ah, il me semblait qu'on pouvait faire vivre les PNJ dans les Sims 2. Alors... Vieillir PNJ Sims 2. Ouais, regarde, c'est pas le persuadé de présenter, jouer et discuter en live, c'est divertir farce, non? Hop. Bravo, chat. Ok, alors attends. Il y a un cheat possible. Age Sims. Cheat. On. Unknown command. Oula. Encore fait des bêtises. Et tu cliques sur le sim que tu veux faire vivre. On va voir si ça marche ou pas. Pas. Ah, comment on fait? Ah. Ok. Ah. Ça marche pas, ça non plus. Angela,
Pourquoi tu veux pas vieillir? Ah tiens, hop, avec sa petite copine d'adolescence et son mec de l'université. Tout est normal. Ça devait être sa future femme! Il va faire crac-crac dans le... Tu peux pas éclaircir en face de toi, ok. Tu vas pas encore bosser d'ailleurs, non c'est à 16h. Très bien. Enfin, il y a un mec qui mate, hein. Faut pas glauque. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que nous accoutis? Ok, bon, tout va bien. Pendant ce temps, quelqu'un fait le ménage. Très bien. Merci, Jani. Ah, j'ai pas été... Il joue encore à la console, lui? Non, mais dis donc. Il va se faire pipi dessus tellement il joue à la console. Wow, 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 wow. Hey, mec. Paye les factures déjà, je vois qu'on a oublié de payer les factures. Bravo. Le tableau ça donne quoi? J'adore. Ah c'est super. Faut qu'on déménage vite et qu'on fasse des tableaux du coup de la famille à chaque fois. On va faire un long couloir avec que des tableaux du coup de la famille à chaque fois. Ça peut être sympa. Beau gosse. Ah bah c'est Paul. Bon, du coup, on va sauvegarder. Ok, au grand mot, les grands remèdes. Et sans musique d'ailleurs, c'est un peu perturbant. Alors, on va aller vite fait université. On va aller régler le problème de Paul. Il habite où? Il habite là. Hop là. Alors, bah, ils sont partout à la fois. Ah bah il y a aussi Angela. Et il y a la bordel. Alors. Appeler. Université, tu dis j'arrête la fac. Stop. Regarde, ça peut pas faire vieillir en même temps. Alors, c'est abandonner les études. Retourner commencer sa vie d'adulte, formation, il pourra pas se réinscrire. Oui. Allez, c'était sympa. Ah, un troisième. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Oh là là. Ciao, oui bah oui, ciao madame. Il est où mon taxi pour rentrer? Ok. Ok, tout est normal. Bon, écoute. Quoi? Ah bah tiens, il reste la nourriture. Qu'est-ce que tu me fais là? Kuna, oui, c'est sale, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est un petit peu bugué. Ok, bon.
Tout va très bien, tout est absolument normal. Je sens que ça va être un petit peu compliqué le... ce qu'on veut faire. Oui, ça pue. T'as bugué mon petit. Tu vas mourir de faim si tu continues. Hein. Va te coucher si tu veux. Ok, tu ne peux plus faire aucune action. Move. Object on. Qu'est-ce que... Attends. Ils réapparaissent normalement quand on fait ça. Ah non, je veux pas sauvegarder, non, je viens de supprimer un sim. Mais... Quel est le délire? Normalement, ils réapparaissent. Et là, je vais supprimer mon pôle. Bon, attends. Il réapparaissait dans le premier, peut-être pas dans celui-là. Allez. Ok, ok. Ça va mieux? Oui, je sais que t'es fatigué, mais je comprends pas ce qui se passe. Tu vas mourir. Il s'est passé un truc avec la fac. Le taxi n'est pas arrivé. Le. Oh là 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 là. Pourquoi moi? Pourquoi ma partie? Pourquoi mon let's play? Je regarde si le taxi finit par arriver, hein, mais à mon avis, parti comme c'est parti. Oui, bonjour le facteur. Mais non, il n'y a pas d'examen, j'ai quitté la fac. Est-ce que la mort peut me sauver? Si je me fais virer, peut-être que je vais finir par partir, je ne sais pas. Bon. Il y a peut-être une autre solution. Décidément, j'ai un petit peu la poissouille depuis qu'on a installé Academy, enfin depuis que j'ai voulu déménager. Il habite où, je l'habite là. Alors. Tant pis pour les thunes. Ok. Alors. Parce que si le taxi arrive jamais, je vois pas trop comment on va s'en sortir. Là, je vais être coincé pour l'éternité. À la fac. Voilà. Oui. Alors attends. Voilà, là ça fonctionne. Peut-être parce qu'il y a Angela. Alors en revanche, les tenues, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, au moins on a réussi. Paul, c'est fait. Fou, ok. Alors, du coup, alors on peut retourner déjà au quartier d'origine. Ok, alors, Paul.
je sais pas dans quoi te faire habiter. On va le faire emménager du coup dans le quartier, comme ça on pourra lui rendre visite tranquillement, tout ça. Par contre, faut vraiment qu'il change de tenue parce que là c'est juste pas possible. Non, je vais juste acheter une commode. Ah non, faut vraiment acheter les tenues en plus dans ce jeu. Je vais voir s'il a pas au moins une autre tenue. Je vais pas te faire une maison de toute façon. Hein. Allez, cours. Super. Ah bah t'es... Quelle élégance, quelle beauté, quel charisme. Un vieux jogging ou... Ok. C'est quoi cette poisse? J'ai la poisse. Pourquoi j'ai la poisse? Cours. Invite ton chéri. Pourquoi? Allez. Oui. Cours. Hop là. Ok. C'est vraiment dur de grandir. Hein. Alors, un endroit avec des boutiques. Là. Parc. Non, c'est pas là. Là. Voilà, c'est ici. Il y a des boutiques, c'est sûr. On va acheter des vêtements. Ah bah y'a Lilith, la sœur jumelle de d'Angela. Alors acheter, décontracter. Il faut vraiment lui trouver un truc qui est beaucoup plus saillant. Allez. Oh. Une tenue complète. On va voir s'il y a un truc intéressant. Oh là 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 là. Oh non mais sérieusement. Non, ça fait trop plombier. Non, je le vois pas du tout habillé comme ça. Ouais, ça fait club gay des années 80. Tous les débardeurs vont faire cet effet-là, je pense, de toute façon. Donc, au bout d'un moment, hein. La petite chemise, à la rigueur. Bon, écoute, y a pas grand-choix, de toute façon. Oh, ces motifs pas possibles. Ouais, les années 2000, c'était pas terrible. Hein. La chemise aussi. Elle est où la chemise? Elle est là. Hop, hop, hop. C'est bon? Pochini. On va les essayer maintenant. Oh. Et un gros bisou devant la sœur jumelle de sa future femme, si j'arrive à faire quelque chose avec. Hop, on peut rentrer à la maison. Holo no crew, loulou, la boudada. Fig is true.
Et donc là, se changer. Non, choisir sa tenue décontractée. Voilà. Ok, ça. C'est bon, Paul. Il va vivre dans sa maison sans meubles, mais c'est pas grave, c'est un PNJ, il pourra se débrouiller tout seul, il est suffisamment intelligent pour dormir dans son lavabo. Ok, maintenant, les sympas. Sympa, c'est ici. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est sur le point de vieillir? Ça m'étonnerait, mais auquel cas, ça nous permettrait du coup de faire vieillir d'un coup les... Alors, oh là là, Daniel a jeté son dévolu sur la bonne. Oh là là là. C'est terrible. Il se passe des choses dans cette famille. Dans 5 jours. Les deux se chamaillent. Ok. Je crois qu'il faut attendre 3 jours au maximum pour pouvoir utiliser le gâteau. Alors, Age Sims Cheat On. Ah, c'est... Non, bah sinon ça manque rien. Il dit qu'ils savent pas. Mec, va faire du yoga. Plein de trucs qui marchent, plein de petites erreurs à droite à gauche. Bizarre quand même. Ah oui, il est plutôt doué. Un peu sexy quand même, hein. Pose autre truc. Boule. Hop. Testing. Cheats. Enabled. Ok, ça a l'air d'avoir plus de temps. Waouh, ça marche. Get thin, get fat. Ah mais elle est partie à l'école. Faire grandir les deux. Hein. Set to birthday, ça fait quoi set to... Ah bah du coup voilà. Parfait. Du coup elle peut grandir. On va tous faire virer d'un coup en même temps, tiens. Il y a la bonne. On va faire un peu de conneries du coup, tant qu'on est dans la famille. Elle est où la bonne? Où est la bonne? Ah! Mais Kérin! Donne-lui un pourboire de sang. Elle est même pas dans la liste, Kérin. Ah mais non, mais c'est la mère, là. Ah oui, mais il est carrément amoureux d'elle, en fait. Oui. Il se tape la bonne, mon dieu. Oh dieu, Daniel sympa qui n'est pas sympa. Qui marche en même temps, la télé, la musique, c'est terrible. Bonjour Daniel. Ma fille est là, ce n'est pas grave. Roger.
La secrétaire a demandé à Marisou de jeter un coup d'œil dans les dossiers à traiter afin de les trier par ordre de priorité. En plein milieu de la pile, Marisou tombe sur une série de discours que la secrétaire doit relire et corriger. Marisou n'est pas mauvaise en orthographe, elle pourrait essayer de les relire elle-même ou les scanner dans son traitement de texte et les passer au correcteur orthographique. Elle va les relire elle-même. Marisou relit attentivement les discours et trouve quelques fautes d'orthographe et une poignée de phrases un peu lourdes. Elle note les erreurs et suggère des modifications avant de poser les discours sur un coin du bureau. Ça lui a tout de même pris 2 bonnes heures et lorsque la secrétaire est de retour, Marisou a à peine commencé à trier les dossiers. La secrétaire se met en colère et rappelle à Marisou qu'avant de penser à faire du zèle, elle ferait mieux d'accomplir le travail qu'on lui a donné. Marisou est renvoyée au standard téléphonique. Ok. Super. Je suis renvoyée. Et la regarde, elle va surprendre le mari. Et du coup... Tiens, entre là pour voir. Quoi ? Qu'est-ce que je vois ? Il se passe rien. Voilà. Ah bah voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pousse-le du doigt. Vas-y. Et ben voilà, t'as ruiné ton mariage. C'est ton problème. Angela, reviens. Je vous rappelle qu'il veut le docteur invisible, du coup, comme ses points d'inspiration sont. D'aspiration, pardon, sont au niveau. Toi, mon petit bonhomme. La ramène un camarade de classe. Ok, mais d'abord. Voilà. Je veux... Alors attends, boule propre. Testing. On va mettre sur false pour éviter de faire le truc. Cheats. Enabled. C'est vraiment parce que j'étais obligé. Hein. Sinon, j'aime pas tricher. False. Ok, et si je fais. Voilà, par contre. Eh ben, ça y est, je peux grandir directement maintenant. J'ai même pas besoin d'attendre le gâteau. Tout le monde grandit en même temps. Ok, le mec qui se tape son balai. Tout va bien dans cette famille. Tout est normal. Acapulco. Acapulco. Pas mal le style. Donc ça c'est Angela. Maman, elle est où? Maman, elle peut pas grandir? Voilà. Et papa? Ok, par contre, il a mal vieilli, du coup, c'est pas grave. Bon, bah, on est bon, c'est bon. On peut sauvegarder, tout va très bien dans la maison, y a pas de problème, tout le monde a vieilli. Voilà. Tout est normal, il n'y avait pas de soucis, tout allait très très bien quand on a quitté le foyer. Bref, non bon, c'est bon, ils ont vieilli, c'est le principal. Ils vont gérer leurs soucis eux-mêmes. Pas de problème. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Alors... Du coup... Douge. Alors, Paul, du coup, là, Paul est un adulte, maintenant. Il y avait Angela aussi, normalement, qui était là. Angela... Mais tu n'es plus là. Ok. Bon.
Lui est parti se coucher, il s'en fout. Ça ne le concerne pas. Bah si, ça le concerne grave. Et il bosse dans une heure en plus. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien avec la livreuse de course? Musique tout. Voilà. Ah voilà, les petites pensions. Pas que tu dormes trop non plus, hein. Il va te faire crac-crac, lui. Bah, il a bien raison. Voilà, score de la fête en diablé, très bien. Qui joue comme une merde? C'est Georges. Le samba. Chuma. Chuma. Oui, le boulot. Allez, on se réveille. Monsieur le cobaye, là. Tut. Monte la popote. On assaisonne bien, c'est important. Chacun fait sa bouffe, hein, c'est terrible. Ah bah attends, ça je peux le jeter du coup. On avait acheté deux. Oh mince, on n'est plus copain avec Adrien Sims. On va le rappeler. C'était un pote de Guillaume, je crois. Ouais, c'était un collègue, même si je me souviens bien. Putain, ça me paraît une éternité tout ça. La vie d'un Sim passe tellement vite. Okotobe. On va appeler Adrien après. Nouvelle journée d'ailleurs, tu peux chercher s'il y a un emploi qui te convient mieux en rentrant. Je vous rappelle qu'on cherche la carrière de paranormal du coup. En adéquation avec son diplôme. Adrien Sim, maintenant. Voilà. Ah mince, il est pas là. Bon. On verra plus tard. Fatigué. Ah bah alors. Attends, toi, tu pues un petit peu, papy. Tu bosses jusqu'à 22h. Ouais, 18h, ça aura fait que 2h en même temps. Oh, Vladimir et Nina. Oh, pourtant, Dieu sait qu'ils ont eu des bons moments. Bon, lui, il est à la retraite, donc... Elle a une énergie. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi elle court tout le temps? Vlad, il est où, papy? Quoi? Même si ma vie en dépendait, je dirais quand même non. Bah, on est amis normalement. Elle court pas pour les toilettes.
Téléphone. Ah, c'est encore un sim qui va dire on n'est plus copains. Ah, ce petit bruit dégueulasse par moment. Voilà, voilà là. Voilà, non, non, non. Ah, comment est-ce? Ah, c'est le petit. Jane Dogo. Milena, qui peut ton mari? Oh, malade, non, gazé doya, mais lui, c'est rompa laia. Hein? Oh, mon gololo. Mon gololo. Bon allez, je vous laisse un petit peu en accéléré. Pas mal, pas mal du tout. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. J'avais pas remarqué. Il y a le fils du coup qui prend son bain derrière. Mais il me semblait que j'avais vraiment pris beaucoup plus. Serrer le plan, c'est pas grave. Eh, tu te débrouilles pas trop mal, hein? Hein? Bah non, mais y'a personne. Je sais pas à quoi tu t'attends. T'es pas dans le Luigi's Mansion, t'as pas les sous qui apparaissent comme ça dans des pots par miracle. Ne sois pas bête, mon petit. Le Kalinou. Bah, c'est important les Kalinou. C'est important, on est en hiver. Enfin bientôt en hiver, donc pensez au Kalinou. Bon mon pauvre Raph. Oh cette voiture, c'est pas possible. 322, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir déménager encore. Mais bon. Showbiz, non. Naturaliste, ah. Ça commence à être... Ouf, 483. Ça commence à être des carrières un peu différentes de ce qu'on a habituellement. Donc naturaliste, c'est arrivé du coup dans les Sims Academy. Politique... Médecine. Les salaires sont pas mal quand même. Oui, c'est vrai qu'on commence pas tout en bas du coup. Cuisine. Waouh. Je crois que c'est le niveau 2. On commence au niveau 2 ou 3. 2 ou 3, je sais plus. Grâce au diplôme. Un peu comme destin. Bon bah on verra demain. Les offres vont se changer très bientôt donc on va finir par retrouver le paranormal. Allez, bonne nuit. Qui se lève déjà? Ah bah oui. Le petit pipi pendant la nuit.
Retourne te coucher, hein. Pourquoi tu passes pas par là? Pourquoi tu fais le tour par là? Ça n'a pas de sens, mon petit. Alors, on se lève. Tu veux acheter une batterie? Oui, bah, faut économiser pour l'instant. Il nous faut des sous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, Nina, si on veut emménager dans cette grande maison. J'aurais pas dû vous faire partir à la retraite tout de suite, en fait. Je pensais pas que ça allait coûter autant de déménager encore une fois. Bon, il est temps de concrétiser un petit peu avec Angela. Ah, je suis bête, t'as un ordi dans ta chambre. Oui, pain long, ça nous fera des sous. Ah bah voilà, tu peux récolter, ça fera des sous aussi. Je sais pas combien ça coûte, mais... $350, allez. Voilà, je le garde. Je pense que c'est quand même pas une allusion à de la drogue. Je trouve ça un petit peu trop... carré de flemmard en plus. Les Sims se sont un petit peu plus polissés, on va dire, au fur et à mesure du... La licence, mais là, ça fait vraiment trop... Enfin, ça me paraît assez clair, en fait. Bref. Alors. Ah bah voilà, paranormal. Parfait. On est bien payé, hein, donc il est cartomancien et 525 par jour. Super. On manque d'un point de créativité déjà. Il faut déjà qu'on... On augmente une... Une compétence alors que pourtant on est bien... Voilà, bon écoute, prends un peu d'avance. Ça fera toujours des sous. Oh, c'est monstrueux. Non, pas les clowns. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Tableau terminé, super. Voilà. Arrête avec ce truc là. La balançoire. On en a marre de la balançoire. Donc c'est interdit de balançoire dans la prochaine, prochaine maison. Du piano silencieux, c'est intéressant. Magie. Oui, viens avec quelqu'un si tu veux. Viens avec ta soeur, avec ton père, viens avec ta mère, viens avec la maîtresse de ton père. Et Kérin. Mais vous êtes tous craspouilles dans cette famille quand même. Bande de craspouillons. Les craspouillons. Je suis avec Marilène. Bon, la robe est un petit peu too much hein, quand même pour la vie de tous les jours. Dit le mec qui est habillé en pirate hein, quand même. Fais-lui une déclaration, c'est le moment. Et pour elle, c'est le moment de faire de la balançoire parce qu'évidemment, la balançoire c'est quand même THE truc que tous les Sims veulent faire dès qu'ils arrivent sur un terrain, je ne sais pas pourquoi. S'il te plaît, Angela, je vais te... On va parler mariage, là, quand même, donc bon. Je t'aime depuis si longtemps.
Je ne t'ai pas oublié malgré la fac et malgré mon aventure dont tu ne sauras rien. Voilà, demande de fiançailles. Lava. Quoi? Eh ben, elle méritera ce qui lui arrivera durant le... notre mariage, du coup. Mais enfin! Qu'est-ce qui lui prend? Bon, ok, attends. Lui, au revoir. Eh ben, c'est une fin de vidéo, une fin d'épisode assez surprenante. Bah, dites-moi ce que vous voulez que je fasse, du coup. Est-ce que j'insiste avec Angela? Est-ce que je, par vengeance, je me marie avec Lilith? Je pense que vous êtes nombreux à me dire « Ah, mais non, mais marie-toi avec Paul et tout. » Ouais, mais j'ai envie que la beauté de Raphaël se transmette malgré tout à sa descendance, donc... Je pense qu'on va... On va épouser Angela. On va lui faire un enfant. On va la tromper. Et on va la chasser. On va garder l'enfant. On va l'élever avec Paul. Voilà. Parce qu'elle aura été... Elle a été méchante. Pourquoi elle m'a repoussé comme ça? On avait des super bonnes relations. C'est pas grave. J'ai été un petit peu abrupte peut-être. Mais comme on était super haut dans les relations, vraiment je me disais que... Bon. On ira tout doucement après. En la revoyant. Je pense qu'on va faire comme ça. Ouais. Mmh. Je suis un petit peu sur les fesses. Bon, j'essaie de la réinviter pour voir. J'aurais pas dû la chasser. On va retenter. On va essayer de... Oui, bon, calme-toi. Avec des champs, des roues aussi, après tout. Bataille d'oreiller. Voilà. On se tempête, la mine s'éclate. On la salit calmement, ça va ça. La vue. Voilà, rien de tel. Non, c'est important pour les fiançailles, les batailles d'oreiller, tout ça. Ça soude les gens. Remets-toi. Toi là, qui sont? Et les crânes vont se jeter. Voilà. Petit bisou, on va y aller tout doux. Elle a vécu un truc terrible, il y a sa maison qui a pris feu, il y a ses parents, voilà, son meilleur ami maintenant, c'est là. Ouais, c'est pas là. Ok, il a perdu sa meilleure amie maintenant. Voilà. Prends les mains. Décidément, purée. Qui sont? Persuadé de... Ça, si je te persuade. Ah bah, tu vas pas persuader moi-même, du coup. Bon. Ah, c'est pas simple, cette affaire. Tiens, va plutôt, va là-bas. Qu'est-ce qu'ils font, papy, là? Bon, au moins, c'est un couple qui fonctionne. Ouais.
Non, je crois qu'elle peut être entre les deux, j'allais dire c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un duel de force avec ta mère, mais non, tu veux rejoindre Angela. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Siffler quelqu'un, oui, c'est une très bonne idée aussi. Qu'est-ce que... Pourquoi tu tapes ton père? Quel bordel. Bon. Sérieux dinde. J'en peux plus. Angela et Raphaël ne s'apprécient plus comme... Mais pourquoi? Bon, et toi, arrête de draguer ta future belle-fille. Bon, c'est le bordel. C'est le bordel. Il va foutre le feu, ce con. Il part au boulot. La dinde. Bon, ça promet pour la suite des événements, hein. Je vais sauvegarder. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous savez qu'on va commencer le prochain add-on dès le prochain épisode. Du coup, ce sera Nuit de Folie. Sans Mimi, donc pour l'instant, on peut pas encore y aller, hein. Il nous manque 7000. Donc, voilà. Il va falloir que... Notre petit Raphaël, il bosse un petit peu plus. Donc, bon. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de mon plan machiavélique avec Angela, parce que franchement, je sais pas ce qui lui a pris, là, d'un coup. Tout allait très bien, puis madame, elle fait sa princesse, d'un coup. Non, mais dis donc. Ça fout en l'air complètement mes projets de Sims, ça. C'est pas bien, du tout. Bon, bah, voilà. Écoutez, Nuit de Folie, on verra, ça va être les sorties en ville, ça va être les voitures, ça va être des nouveaux vêtements, ça va être discothèque, restaurant. Ça va être très sympa en tout cas, et ce sera du coup ben, dans une vingtaine de jours dans le prochain épisode des Sims 2. A bientôt, salut à tous!